Bonjour Christophe. Comment vas-tu? Ça va? Ça va, super, toi? Ouais, très bien. Bon. On va regarder où on va s'installer. Ouais. Prêt pour parler un petit peu de ta petite carrière. Allez, assieds-toi. Merci. On va se préparer. Confortablement. Je remets mes chaussures. Christophe, merci d'avoir accepté d'être avec nous sur le Grand Entretien. Merci à vous surtout. T'as hésité? J'ai mis du temps à accepter, mais hésiter non, mais voilà, fallait que ça arrive au bon moment. Et là, c'est le bon moment? Apparemment, oui. Déjà au niveau de la météo, on est chanceux, mais ouais, je pense qu'on est arrivé dans une phase où voilà, faut que j'explique un petit peu, que je fasse comprendre aux gens ce qui se passe ou ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, voilà, on est reparti sur une nouvelle base, en espérant voilà, réavoir la réussite et la forme d'antan. Mais il y a toujours une période voilà, délicate dans une carrière, où il peut y en avoir plusieurs, et je pense que je l'ai traversée, donc ça y est, on a tourné la page. Alors Christophe, tu es donc né en 1981, le 4 juin, à Schaerbeek en Belgique. Tu es fils d'une maman coiffeuse, d'un papa jockey d'obstacles. Quels souvenirs gardes-tu de ton enfance? J'ai eu une enfance très joyeuse, avec beaucoup d'événements. J'ai eu la chance de partager énormément de choses avec ma famille, mes parents, surtout autour du cheval. J'ai beaucoup de souvenirs, beaucoup d'anecdotes. Comme mon père me l'a toujours dit, il m'a dit « je t'ai élevé à la dure », parce que c'est vrai qu'il ne m'a jamais fait de cadeaux. J'ai commencé les courses de poney très très jeune avec pas mal d'incidents et d'accidents. Mais ça m'a forgé le caractère, ça m'a montré que dans la vie, quoi qu'il arrive, il faut toujours se relever et repartir de l'avant. Et que ce soit une chute, une victoire, une expérience reste une expérience. On a beau vous donner beaucoup de conseils sur la vie. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin de ressentir les choses et j'aime faire les choses à ma façon. On a beau m'indiquer qu'il y a des impasses ou des difficultés qui vont arriver, qu'il faut emprunter tel chemin au lieu d'en emprunter l'autre. Et parfois, bah, j'y vais quand même. J'ai besoin d'avoir l'odeur, les sensations qui me procurent parfois des expériences nouvelles. Et même si parfois je me trompe, j'apprends et je repars. Donc je pense qu'on a tous besoin de faire notre vie, faire notre chemin. Et même si je donne des conseils moi aussi à mes enfants, il faut vivre sa vie pour savoir exactement ce qu'on fait, ce qu'on aime. Et si on commet des erreurs, on essaye surtout de ne pas les reproduire. Mais je pense que c'est aussi en faisant qu'on apprend certaines choses. Tu dis « mon père m'a élevé à la dure », ça te fait sourire? C'était ton héros, ton père? Oui, ça l'est toujours. C'est une personne assez remarquable, unique dans son genre. Il a des très très bons côtés, comme beaucoup de mauvaises manies, de mauvaises paroles. C'est quelqu'un qui a un caractère très particulier. Et je pense que sur beaucoup de points, je lui ressemble aussi. Lui aussi parfois est incompris, les gens ont du mal à le cerner, mais quand on l'aime à mourir, et c'est comme ça, c'est la vie, on est tous différents les uns des autres, mais voilà, c'est quelqu'un qui m'a énormément inspiré, qui aussi au travers de ses défauts, il m'a montré aussi ce qu'il fallait ne surtout pas faire dans la vie pour avancer, et voilà, je me suis basé pas mal sur sa vie à lui aussi pour m'inspirer et aller de l'avant. Tu as choisi ce métier pour l'épater quelque part? Au départ un petit peu, parce que c'est sûr que lui, c'était une chose dans laquelle il excellait. Le cheval, être jockey d'obstacles et de foncer toujours de l'avant et d'avoir peur de rien, c'était sa marque de fabrique. Moi, j'étais pas du tout comme ça petit. Et je suis devenu un petit peu, oui, casse-cou. Tu étais comment petit? J'étais un peu introverti, timide, jusqu'à l'âge de 6, 7, 8 ans, très sage. Et à un moment donné, voilà, comme j'étais très petit par la taille et qu'on marchait parfois un peu aussi sur les pieds, il a fallu à un moment donné changer. Et malheureusement, je suis devenu un petit peu aussi bagarreur, fougueux, et je suis un peu passé du coq à l'âne. Et c'est vrai que j'ai vu malheureusement mon papa des fois voilà, dans des combats, dans des bagarres, des histoires un peu voilà, qu'on ne veut pas voir quand on est enfant. Mais au final, voilà, ça m'a
je vais dire, parfois malheureusement déclenché certaines choses, mais derrière ça m'a permis aussi de me faire respecter, d'apprendre la vie un peu plus tôt que prévu. Et voilà, j'ai eu l'expérience aussi de faire de l'internat très jeune, où pareil, j'ai dû me débrouiller tout seul face aux autres. Et grâce à toutes ces petites expériences, les unes mises après les autres, ça m'a permis d'évoluer et d'en arriver au fur et à mesure dans une stabilité et une expérience où je me sentais à l'aise. C'est pour ça que dès que je suis arrivé au moulin avant, j'étais direct dans le bain. Donc j'ai pas eu de décalage, à part être loin de chez moi à 500-600 km de la maison. C'était le seul point qui était un petit peu dur à gérer au départ, mais sinon j'étais dans le bain, quoi. Tu entretiens une relation particulière avec ton père, puisqu'en 2018, il y a donc 4 ans, tu disais « Sportivement, mon père ne m'a jamais considéré comme le meilleur. Il m'a toujours mis en dessous de certains jockeys et ça m'a toujours révolté. Il préfère Olivier Pellier. » Oui, en effet, c'est vrai que souvent, quand on regardait les courses, que ce soit le soir ou même des journées où j'étais mis à pied, il mettait toujours en avant Olivier, qui en plus de ça est mon idole. Donc c'est clair qu'il a raison sur plein de points. Mais voilà, quand on est le fils de quelqu'un, on veut le rendre fier. Et on s'attend aussi parfois à avoir des compliments, même si je ne suis pas quelqu'un qui aime en avoir de trop, des compliments, parce que ça peut parfois aussi me mettre dans un confort qui me laisse un petit peu passif. Mais voilà, je suis quelqu'un qui, de temps en temps, a besoin d'avoir ces petites phrases, ces petites paroles qui font du bien. Et c'est vrai que mon papa le faisait très rarement. Depuis quelques années, depuis Auteuil, ça a changé. Mais c'est clair que Olivier, voilà, c'était, et ça allait toujours, un crack jockey. Et à ses yeux, c'est l'idéal, quoi. C'est le type parfait sur un cheval, comme est aussi Lanfranco de Tori. Je pense qu'au monde, on ne fait pas mieux que ces deux-là. Mais ça n'empêche que ça m'a permis, et ça me permet encore aujourd'hui, de m'inspirer de ce qu'ils font. Et je vois que même à leur âge, ils continuent à changer des petites choses dans leur physique, dans leur façon de monter. Et ça, c'est inspirant, parce que même moi, qui scrute toutes les petites choses, les petits détails, je vois qu'on ne cesse de progresser et on arrive encore à améliorer des choses, même si on pensait encore il y a 10-15 ans être arrivé au summum. On va revenir à ton enfance. Tu quittes donc la Belgique pour arriver à Chantilly, à l'école du Moulin à Vent. C'est ton choix ? C'était mon choix, oui et non. J'étais justement à la fin de l'année scolaire entre deux vagues. Je ne savais pas trop quoi faire. C'était où partir pour faire de la cuisine. Donc ma maman m'avait inscrit en Belgique dans une grande école pour justement devenir chef cuisinier un jour. Et un ami de mon père, fin juin, lui a amené une petite plaquette justement de l'école de la FASEC Moulin à Vent à Gouvieux. Et on a tenté l'inscription. Bien sûr, quand on a rempli l'affiche, on a été recontacté rapidement puisque j'avais pas mal de cases déjà de rempli, puisque je savais déjà monter des purs sang, j'avais monté beaucoup de courses de poney. Donc il a fallu faire les stages de présélection au mois de juillet, de sélection au mois d'août. Et comme tout s'était très bien passé, j'ai même pas eu besoin de faire le stage de préformation. Donc à partir de ce moment-là, c'est sûr que il n'y a pas eu d'hésitation, c'était tout tracé. Quand je me suis senti très à l'aise avec une centaine d'élèves autour de moi et j'avais l'impression d'être dans le top 5, je me suis dit que ça allait le faire, même si mon père m'avait prévenu que ça allait être très très compliqué. Au final, j'ai trouvé ça relativement facile. Et oui, parce que c'est vrai qu'on est toujours impressionné quand on arrive. C'est comme à mon avis quand on va faire le service militaire, on ne sait pas où on en est, on ne sait pas ce que c'est une nouvelle expérience. Même si pour ma part, je ne l'ai pas fait, le service militaire, en entendant parler les gens, on se dit que c'est quelque chose de difficile, de terrible, on va se faire secouer et c'est des choses dans lesquelles on n'a pas d'expérience. Et au final, non, ça s'est très très bien passé, et je me suis adapté très vite et j'étais vraiment en confort. Voilà, après, il y avait l'étape d'essayer de savoir où est-ce qu'on allait tomber, dans quelle écurie. Alors, tu rentres au service d'un excellent formateur mais au caractère bien trempé. Alors c'est ça, c'est qu'au départ, moi je m'attends à arriver dans une grande écurie. Il y avait 4-5 grosses écuries classiques à Chantilly. Et on s'attend à aller chez André Fabre, Cricketed, Pascal Barry ou encore plein de grandes autres maisons. Mais là, Nacon me dit, tu vas chez Boutin. Et le nom Boutin me disait quelque chose puisque François Boutin était l'un des plus grands entraîneurs
de Chantilly, voire du monde, qui malheureusement avait disparu quelques années auparavant. Et je pensais du coup que c'était un lien de famille, un fils ou autre. Et puis au final, non, un des formateurs me dit non, là tu vas chez un entraîneur qui est très atypique. Il est différent de beaucoup d'autres parce qu'il n'a pas beaucoup de chevaux, il a quasiment que des chevaux à lui. Mais tu vas voir, il court beaucoup, il est très dur, mais chez lui tu vas monter. Donc je me suis dit bon, on verra bien. Et c'est vrai que Cédric Boutin, c'est une personne qui m'a accueilli très vite comme un fils, parce que j'étais son premier apprenti. Et on a traversé pas mal de péripéties ensemble. Mais c'est vrai que c'était quelqu'un, et ça l'est toujours, en qui j'ai toujours eu énormément de confiance, qui a toujours été très très dur, mais qui au final m'a permis d'arriver très très vite là où je voulais. Cédric Boutin te qualifie de mi-ange, mi-démon. Ouais, c'est exactement ça, ouais. C'est ça. Je peux être très très sage, comme je disais tout à l'heure, et puis je peux devenir tout l'opposé. Alors, je ne sais pas si c'est dû à mon signe astrologique, le Gémeaux, mais c'est clair que voilà, j'ai peut-être un dédoublement de personnalité assez particulier. Et déjà, ce qui est bien, c'est de le savoir. Tu t'en rends compte ? Je m'en rends compte. Après, voilà, on fait tous des efforts, on essaye tous d'être parfaits, mais... Parfois, ça revient comme ça, naturellement, très rapidement. Et je pense qu'il faut, au final, être soi-même. Et c'est comme ça que les gens m'apprécient et, ou me détestent, mais c'est la vie. Le 22 septembre 1997, donc rapidement, tu remportes ta première course à Maison Lafitte avec Bruno. Alors, c'est vrai que c'est avec Bruno, le nom de ton papa en plus. En plus. Et oui, à Maison Lafitte, l'endroit où mon père, lui, était apprenti 40 ans avant tout ça. Et moi, je me retrouve à monter pour Jean-Jacques Boutin, donc le papa de Cédric, qui me donne énormément de conseils tous les matins quand il me voit. Et pareil, qui n'hésite pas à m'engueuler ou mettre des coups de pied au cul quand il voit que ça ne va pas. Mais voilà, c'est quelqu'un qui m'a toujours énormément conseillé. Et avant la course, il m'a dit « t'occupe pas le cheval, regarde pas ce qu'il a fait avant, fais ce que je te dis et tu vas voir, ça va bien marcher ». Et si je ne me trompe pas, j'étais à une cote assez imposante, plus de 60 contre 1. Et il m'avait dit, t'occupe pas, tu le laisses bien partir. C'était à main gauche. Il me dit, quand tu rentres dans la ligne droite, tu le fais changer de jambe. Et après, je veux pas que tu le tapes, tu le cadences bien. Et il montrait bien les mouvements de corps. Il me dit, tu pousses parce comme ça, tu pousses comme ça. Voilà, c'est Gigi, quoi. Il parle avec les mains, avec le corps. Et il me dit, tu l'envoies. Et t'hésites pas à bien l'encourager à la voie. Et tu vas voir, il va se donner pour toi. Et au final, ça s'est déroulé exactement comme il me l'a prédit. J'ai eu une super course et j'étais entouré des grands jockeys d'époque. Il y avait Dominique Boeuf, Olivier Pellier, Sylvain Guillot, Thierry Jarnet. Voilà, c'était sympa de pouvoir gagner sa première course de cette manière. Et en plus, je crois que je bats Dominique, pas à la lutte puisqu'il n'y a pas eu tête à l'arrivée. Mais voilà, j'étais en tout cas au passage du premier poteau à ses côtés. Et j'ai ressenti cette adrénaline qui me poussait de l'avant. J'avais déjà la chance de gagner des courses de poney. Et je savais ce que c'était que de passer le poteau en tête. Mais là, différent quand même. C'est officiel, il y a les paris, on est en France. C'est le grand bain, quoi. Sur la photo des balances, t'as vraiment la tête d'ange. Ce qui est assez drôle, c'est que quand je regarde cette photo, j'ai 16 ans et j'ai l'impression d'être plus jeune que mon fils, qui est aujourd'hui que 13 ans, quoi. Donc, j'ai une petite tête de poupon et pareil, je fais, je crois, 1m... 35-40, je suis tout petit, j'ai du mal à porter ma selle et mon tapis de plomb. Et c'est ça, c'est assez incroyable. Et puis quand on voit Gigi à côté, c'est une photo assez atypique qui est marquante. En 1998, tu as 17 ans, tu reçois la distinction du meilleur apprenti de France, l'étrier d'or. Et ensuite, tout s'accélère très vite puisque tu vas intégrer l'écurie d'André Femme, qui est l'écurie numéro 1. Deuxième jockey d'ailleurs, Olivier Pellier quand même. C'est ça. Donc on a reçu un appel d'André Fabre avec Cédric Boutin. J'avais à ce moment-là en plus une demande de la marquise de Moretella pour devenir premier jockey pour elle. Cédric Boutin n'était pas très sûr de ce qu'il fallait faire, donc on en a parlé pendant quelques jours. Et je sais que ça va créer une frustration même dans l'équipe de la marquise parce qu'ils pensaient qu'on allait signer avec eux. Et au final, on a pris la décision de travailler avec André Fabre. Quelques mois auparavant, c'est pareil, on avait eu la proposition d'être deuxième jockey pour l'écurie Godolphin à Évry.
derrière Sylvain Guillot. Et je pense qu'on avait fait le bon choix de ne pas y aller puisque ça n'a pas duré très longtemps. Et à ce moment-là, j'étais même encore en manque de maturité, d'expérience. Donc c'était un peu différent. Mais oui, je pense que pour dire oui à André Fabre, ce n'était pas difficile du tout. Après, ça n'a pas fonctionné exactement comme je l'espérais puisque au bout de quelques mois, ça s'est arrêté. J'ai manqué un petit peu de sérieux à une époque, j'avais du mal à me lever le matin. Et du coup, Monsieur Fab m'avait mis un petit peu sur le côté pendant quelques mois pour au final revenir me demander de venir premier jockey quand Olivier Pellier a signé pour la famille Wildenstein. Le génie Soumillon est en marche puisque là tu vas remporter tes premiers classiques. On a eu Vaorimix dans la poule, on a bien sûr Anna Bablou en 2001 dans le Jockey Club. Tu as 20 ans seulement? Bah alors, moi, je ne vais pas du tout me décrire comme un génie. Je pense que je suis un gros travailleur. J'analyse beaucoup de choses. Mais pour moi, un génie, c'est quelqu'un qui a ça en lui, qui est inné. Et on n'arrive pas à comprendre ce qu'il fait. Et je pense que c'est un peu le cas d'Olivier Pellier. Je pense que c'est aussi un gros travailleur. Je ne dis pas qu'il n'a pas de mérite à faire ce qu'il fait. Mais je pense que lui, c'est un vrai génie. Il arrive à faire des choses que personne ne voit, personne ne comprend, un peu comme un magicien. Moi, ce que je fais, c'est souvent calculer, réfléchir, j'analyse. Mais voilà, je progresse constamment parce que je sais que j'ai beaucoup de choses à apprendre encore. Mais voilà, c'est sûr qu'arrivé à cette période, j'ai eu un moment un peu délicat puisque j'étais premier jockey pour Élie Lelouch. Pour Jean Derwal, j'étais deuxième jockey chez André Fabre. Et en l'espace de un mois et demi de temps, de mai à début juin, je perds tout. Et je me retrouve avec Anna Bablou justement le jour de mon anniversaire. L'un des favoris du Jockey Club, je venais d'être battu dans le prix Lupin d'un rien. Et j'ai Carlos Lerner au rond qui essaie de m'encourager pour me dire « t'inquiète pas, aujourd'hui c'est le jour, le cheval est au top ». Je l'avais travaillé, il avait travaillé magnifiquement bien l'hipporome de Maison Lafitte. Et je lui avais dit « t'inquiète pas, après le galop, on va gagner le Jockey Club ». Et j'écoute un journaliste sur Equidia, quelques heures avant la course, qui faisait le pronostic du quintet. Et qui dit oui, bon, bah, Anna Bablou, non, franchement, manque d'expérience du jockey. La dernière fois, il est battu. Moi, je ne le vois pas. Et ça m'a révolté. Et finalement, bah, du coup, ça m'a permis de monter une belle course, d'avoir confiance en mon cheval et en moi-même. Et voilà, je gagne mon classique, la première. Et j'arrive à montrer à tout le monde que je suis capable de le faire, quoi. Donc, ça a rassuré aussi certains propriétaires, certains entraîneurs. Et j'ai eu droit à une deuxième chance derrière ça. Tu vas également signer rapidement ton premier contrat de jockey chez Son Altesse Aga Khan. Alors, il y a l'élevage prestigieux, la Kazakh évidemment qui fait rêver. Puis derrière cela, il y a un homme que tu admires, le prince Karim Aga Khan. Oui, tout à fait. Alors j'apprends la nouvelle que Gérald Mossé va partir à Hong Kong, qu'il arrête son contrat avec le prince. Directement, on me contacte. Pareil, je ne mets pas longtemps à prendre ma décision. J'avais aussi une autre offre en face à ce moment-là. J'en avais parlé un petit peu avec Monsieur Fab, qui à ce moment-là était devenu mon patron. Et c'était pas évident parce que lui n'était pas du tout persuadé de ça. Lui n'était pas trop pour que j'aille travailler pour le prince. Et donc lui, ça m'a pris 2-3 jours pour bien réfléchir, prendre la bonne décision. Et quand on a été revoir Alain Droyer Dupré en lui disant que ça allait être bon, voilà, j'ai eu la chance de comprendre vite ce qu'il fallait qu'on fasse. Ça n'a pas été évident puisqu'il traversait pareil une phase de 2-3 ans où il n'y avait pas eu de très bons chevaux au sein de l'écurie. Et voilà, avec Calquevi l'année d'après, j'arrive à gagner mon premier semi-classique, le Grand Prix de Paris. Et à partir de ce moment-là, c'est parti, quoi. Je tombe sur Dallacani à Deauville, juste après. Là, on gagne le prix des chaînes, le critérium, et je sais que j'ai entre les mains une pépite. Tu as seulement 20 ans, tu prends tes décisions seul, tu en parles autour de toi, je t'entendais dire avec André Fabre, etc. Mais au final, tu prends tes décisions seul, t'en réfères à ton père qui a été présent avant. Comment tu agis? Oui, alors je demande parfois conseil, parfois je fais avec l'instinct. C'est vrai que, bah, comme on disait avec André Fabre, plusieurs fois il m'a donné des conseils, je les ai suivis parfois, ou des fois je n'étais pas tout à fait d'accord, ce qui a pu aussi, à mon avis, créer des frictions. Et ça l'a été aussi avec mon papa. Mon papa m'a donné aussi des conseils, puis pas que lui, j'ai des amis dans mon entourage.
Mais après, quand on est réconforté dans son choix, quand on dit voilà ce que j'ai envie de faire, et qu'on a trois personnes qui vous disent mais voilà, c'est ce qu'il faut faire, on y va, on n'hésite pas une seconde. C'est plus facile quand ton entourage va venir dans ton sens, mais tu es capable malgré tout, même si on te dit attention, c'est pas forcément une bonne idée, si toi, profondément, tu sens que c'est bon pour toi, tu vas y aller. Tu fais appel à quoi dans ces cas-là? Ton instinct? Tu poses le pour et le contre? Comment tu réagis? Je suis assez bizarre comme garçon, mais quand on me dit ne le fais pas, tu ne vas pas y arriver, souvent j'y vais. Parce que j'ai envie de prouver aux gens que je suis capable. Et en fait, c'est mon ressenti. S'il y a quelque chose dans lequel je ne suis pas à l'aise, je ne vais pas y aller. S'il y a quelque chose voilà, qui m'attire, même si ça a l'air un peu flippant ou difficile, si je sens que je peux y aller, je vais y aller. Peut-être que ton père, finalement, encore aujourd'hui, te dit que tu n'es pas le meilleur jockey, c'est Olivier Pellier, parce que justement, il veut que tu gardes cette flamme. Oui, c'est fort probablement la manière dont il faut me motiver. Il faut certainement me titiller un petit peu pour me donner cette envie, cette rage de vaincre, qui parfois peut être baissée avec le temps, parce que ce qu'on n'aime pas, c'est les choses monotones. Dans une carrière, c'est clair que c'est gratifiant d'être au sommet, c'est génial de gagner plein de grandes courses, de voyager énormément, de faire beaucoup de choses, mais moi, ce que j'aime aussi, c'est faire des choses différentes. Maintenant, avec mon fils, je suis un peu pareil aussi. Des fois, je le titille. S'il y a un gamin qui le bat dans une spécificité ou dans un sport, je vais lui dire, tiens, voilà, lui, il est meilleur que toi, là. Et c'est un peu pareil. On essaie de le motiver de cette manière. Ça ne marche pas avec tout le monde, mais en tout cas, je pense qu'avec moi, ça fonctionne assez bien. Tu vas connaître les joies intenses dès 2003, avec notamment Dalla Cani. Son Altesse Aga Khan, on l'a dit, Alain de Royer-Dupré également, qui va peut-être devenir un père spirituel pour toi. En effet, on est complètement opposés au niveau caractère. On n'a rien à voir l'un avec l'autre, mais au final, on a réussi à se comprendre, à s'entendre et à s'améliorer. Je pense que même aujourd'hui, on apprend encore beaucoup de choses l'un de l'autre. Puis c'est pareil, une carrière, c'est comme un couple. C'est une relation qui n'est pas toujours évidente. Quand on a beaucoup de chevaux, que ça se passe très bien, c'est facile. Quand on traverse une période où les chevaux ne sont pas aux attentes et qu'il y a des petits soucis, ça peut aussi créer de la frustration, des tensions. C'était à nous voilà, d'essayer de gérer tout ça. On l'a fait avec intelligence et professionnalisme, parce qu'au final, nous, on travaille pour le prince et on se doit d'être les meilleurs possibles. Même si on sait que parfois on ne peut pas toujours être parfait et que certains incidents peuvent arriver, que ce soit en course, à l'entraînement, ça fait partie de la vie et de notre vie. Mais voilà, j'ai appris énormément de choses à ses côtés. C'est quelqu'un en qui j'ai toujours eu énormément confiance. Et c'est vrai que quand on arrivait avec des très bons chevaux dans les grandes courses, je savais que je pouvais y aller les yeux fermés, quoi. Avec Dalla Cani et Zarkava, je pense qu'on a fait un quasi sans faute. La seule course que je regrette encore aujourd'hui. Et je pense qu'avec un peu plus d'expérience, si ça avait été amené différemment, j'aurais jamais été battu. C'est le derby d'Irlande. Avec Dalla Cani. Avec Dalla Cani, ça me reste encore un petit peu en travers de la gorge. Mais voilà, c'est des courses qui m'ont servi. Et on est tombé sur Johnny Murtagh et John Ox qui avaient bien préparé leur coup. Et voilà, malheureusement, on travaillait tous dans la même équipe pour le même propriétaire. Donc au final, c'était moins grave. Mais moi, pour le cheval et ma carrière, j'aurais préféré que ça finisse comme avec Zarkava qui sont invaincus. Alain de Royer-Dupré te décrit ainsi, courageux, gagneur, très déterminé et une connaissance étonnante des chevaux concurrents. On dirait que tu es en... Il disait, on a l'impression qu'il est en quête permanente de la perfection. Le perfectionnisme poussé à l'extrême. Un peu comme lui, je veux dire. Bien sûr. Il connaît tous ses chevaux sur le bout des doigts. Je pense que tous les chevaux qu'il voit le passer le matin, pour les autres entraîneurs, il arrive à les reconnaître, les analyser aussi. Je pense qu'on essaye toujours de s'améliorer en apprenant des choses avec nos yeux. C'est vrai qu'on aime bien écouter les gens, entendre ce qu'ils ont à dire, mais moi je pense que la meilleure école, c'est l'analyse personnelle, c'est avec nos yeux, nos sens. Tu as quand même ce souci, enfin je ne sais pas si ça c'est un souci, mais ce besoin de perfectionnisme, et je le disais presque à l'extrême. Oui, je pense que j'ai besoin de savoir pourquoi les choses se passent de telle ou telle manière, que ce soit en bien ou en mal. Quand je perds une course, quand je suis enfermé, quand je démarre trop tôt ou trop tard, j'essaie de réanalyser ce que dans mon subconscient n'a pas fonctionné pour que mes réflexes n'aient pas réagi au bon moment de la bonne manière. Moi, quand je regarde Jean-Michel Bazire driver à Vincennes,
je suis toujours étonné de voir que tout ce qu'il fait, on a l'impression qu'il le fait à l'instinct, dans une fraction de seconde. C'est rare de le voir réfléchir, cogiter, analyser. Non, c'est il est en lui, parce que on a répété tout ça pendant des années, des années, des années. Il y a des automatismes. C'est un automatisme, voilà. Et justement, quand on fait une erreur, on a envie de l'intégrer dans notre tête pour que quand cette sensation va se reproduire, que ce soit dans 10 courses, dans 100 courses, dans 1000 courses, qu'on ait cet instinct de dire « Hop, il y a un piège qui va arriver, je m'y engouffre pas. » quoi. Et au jour d'aujourd'hui encore, ça peut arriver parce que malheureusement, quand on est 18-20 dans une course et que chacun veut monter pour gagner, il se passe des fois des choses qu'on ne peut pas anticiper. Un jockey qui va faire quelque chose qu'il ne fait jamais, par exemple, ça peut nous tromper, ou qu'un cheval puisse faire un écart, prendre peur ou se reprendre, or qu'on ne l'avait pas imaginé, surtout avec des chevaux avec de l'expérience. Voilà, ça peut arriver qu'on se fasse savoir dans ce genre de circonstances-là. Nous sommes dans les années 2003, 2004, 2005. Tu es toujours sous contrat pour Son Altesse Aga Khan. Tu montes en premier jockey également pour André Fabre. Tu gagnes des courses en France, aux États-Unis, en Angleterre. Tu sors un livre un petit peu plus tard avec Insoumis. Tu rencontres celle qui va devenir ta femme, la Miss France, Sophie Talman. Est-ce que tu dirais que ta vie est un conte de fées ? C'est ça. Tout ce dont je rêvais, c'est réalisé oui, entre 2003, 2005, 2006, 2007. J'étais capable de gagner voilà, une dizaine de groupes 1 par an, de gagner dans le monde entier, de gagner pour tout le monde, de rencontrer ma femme qui est une femme extraordinaire dont je rêvais depuis des années et dont j'étais fan en plus. Et c'est sûr que voilà, derrière, on a en 2005 notre premier enfant, Charlie. Et oui, on a la chance de voyager, de voir des choses extraordinaires, d'avoir nos animaux, la belle maison, tout ce dont je rêvais quand j'étais petit, les belles voitures. J'ai tout, quoi. Il ne me manque rien. J'ai le succès en France comme à l'étranger. J'ai toujours une envie de dingue. Et voilà, j'aime mon métier, j'aime ma femme, mes amis, ma famille, et tout va bien. Ce qui est encore le cas aujourd'hui, mais c'est sûr qu'à ce moment-là, je me dis... T'as touché le Graal, quoi. T'es au sommet de ton art, ça va être difficile de faire mieux. Et voilà, on a rarement cette chance dans une vie de se dire, voilà, je peux pas faire mieux que ce qu'on a là en ce moment, c'est comme ça. Tu savoures, du coup ? J'ai beaucoup savouré, j'ai profité de tout. Et comme je l'ai déjà dit plein de fois, je regrette rien. Il n'y a pas eu que du parfait hein, pendant ces années-là, j'ai fait des bêtises. J'ai perdu des courses, des clients, des chevaux. Mais le plus important, c'est que voilà, j'ai toujours ma femme à mes côtés, mes enfants. J'ai fait des choix, j'ai pris mes décisions. Mais je n'ai pas de regrets à avoir puisque c'est avec mes tripes, ma tête, que j'ai été chercher tout ça avec mon cœur. Et voilà, aujourd'hui, c'est que du bonheur et c'est du plus aujourd'hui. Même si pour certaines personnes, on peut penser que je suis blasé, pas du tout. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai plus le même problème avec le défi d'aller chercher des choses. Là maintenant, tout ce qui vient, ça vient. Je travaille toujours aussi dur hein, pour l'avoir, mais je n'ai pas la mentalité qui est focus de la même manière, quoi. Alors ta femme Sophie est sans doute la personne qui te connaît le mieux. Parle de toi comme un homme généreux à l'excès et marqué par cette empreinte de la dualité du Gémeaux. Oui, alors généreux, je l'ai toujours été depuis tout petit. J'aime partager les choses, surtout quand on a la chance d'avoir des choses formidables autour de soi et qu'on peut s'offrir quasiment tout ce qu'on veut. C'est sûr que dans les voyages, quand je peux emmener des amis, la famille, on n'hésite pas. Quand on peut faire des grands restaurants et fêter des belles victoires, souvent on le fait avec les proches et les gens que j'aime. J'ai toujours été comme ça et ça ne changera pas. Je sais que j'ai dépensé beaucoup d'argent voilà, en faisant des voyages incroyables, en invitant des amis, des gens que j'aime. Mais là-dessus, je n'aurai jamais aucun regret. Quoi. C'est comme ça, j'ai toujours fait des beaux cadeaux aux gens que j'aime aussi. Et je pense que la vie, c'est ça, c'est donner un maximum à ceux qu'on aime.
je ne ferai jamais de toute façon l'unanimité auprès de tout le monde. Mais en tout cas, voilà, ceux que j'aime, même pour eux, des fois, je suis un peu excessif, un peu barré et pas toujours agréable, mais ça fait partie de qui je suis et je ne peux pas le changer. On parle de cette dualité du Gémeaux, tu peux très vite changer de personnalité, de passer d'un tout à l'autre, du blanc au noir, c'est ça qui t'a posé problème dans ta relation avec André Favre ? Oui, certainement. Après, voilà, je pense que lui aussi a son caractère, il n'aime pas trop qu'on lui tienne tête, même si c'est quelqu'un qui, à mon avis, aime travailler avec des gens qui ont quand même un peu de caractère. Mais voilà, ça fait partie des hauts et des bas d'une carrière. Je pense qu'on ne peut pas s'entendre toujours bien avec tout le monde. Malheureusement, voilà, c'est sûr que les mots que j'ai eus sur lui lors du gala des courses, j'aurais jamais dû le faire. Mais ça fait partie de mon état d'esprit qui n'est pas toujours exemplaire. Après, ce qu'il faut, c'est admettre ses erreurs. Et si je l'ai blessé lui ou ses proches, bah, je m'en excuse une fois de plus. C'est clair que moi aussi, il m'a vexé, il m'a fait du mal par ses actes et aussi ses gestes et ses paroles. Et ça fait partie de la vie. J'aurais préféré, bien sûr, qu'on en discute tête à tête entre hommes. Peut-être qu'un jour, ça se fera. Je l'espère en tout cas, puisque la vie est courte et que moi, je n'ai pas envie de partir avec des regrets. Mais voilà, moi, je suis ouvert à la discussion. J'assume ce que j'ai fait, j'accepte les critiques. Que demain ils me disent que j'ai été un petit con et que je me suis mal comporté, je le sais. Et bon, après je vais de l'avant, je vais toujours faire en sorte à ce qu'on puisse aller améliorer ce qu'on a fait de mal. Et en l'occurrence, voilà, c'était une partie un petit peu grise sur le tableau, mais ça fait partie de ma carrière. Je ne peux pas l'effacer. Cette rupture fait grand bruit, hein. Elle aurait pu mettre un coup de frein à ta carrière. Pas du tout, puisque tu vas croiser la route de Zarkava en 2008. Tout à fait, donc c'est pour ça que dans la vie, je pense que c'est pareil pour plein de grands sportifs. On a vu encore cette année à l'Euro, Karim Benzema qui revient en équipe de France. Il aurait pu être champion du monde, il ne l'a pas été. Ça n'a pas empêché de faire une super belle carrière. Mais parfois, voilà, faut ravaler sa salive, faut encaisser les coups. Il faut montrer aux gens qu'on est capable aussi de continuer à évoluer, de comprendre qu'il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre, même si des fois on a l'impression d'être au-dessus des autres. Et tu as eu cette impression au cours de ta carrière d'être au-dessus des autres ? Oui, bien sûr. On peut pécher par ça, hein, avoir l'impression que c'est trop facile et que du coup on peut se permettre de commettre plus d'erreurs que les autres, de travailler moins. Et un jour ou un autre, bah ça vous rattrape. C'est logique. Est-ce que cette force-là, ça te permet aussi de soulever des montagnes ? Oui, je pense que de savoir que quoi qu'il arrive, et je touche du bois, à part une grosse blessure, d'être capable de revenir au niveau où on était à l'âge de 25-30 ans, parce que je savais très bien qu'à l'âge de 25-30 ans, j'étais bon, mais je n'étais pas du tout au niveau où je le suis aujourd'hui. J'étais pas du tout strict avec moi-même au niveau physique et nutritionnel, pareil. Aujourd'hui, je suis capable de faire beaucoup mieux. Alors certes, mes muscles et mon corps n'ont plus la même fougue et la même puissance, même si je travaille différemment. Mais je pense que voilà, je suis capable de faire des très grandes choses encore. Mais voilà, c'est la vie. En 2008, tu es donc associé à la Divine Zarkava. Tu vas connaître encore, on parlait tout à l'heure de la gloire avec Dalakhani, là tu vas connaître encore les sommets avec cette Zarkava. Zarkava, oui, c'est le diamant pur. Quand je la monte pour la première fois à Longchamp, qu'on gagne, on se dit, bah là, on touche quelque chose d'assez exceptionnel. Je m'attendais à beaucoup de sa part. Et c'est sûr que lors de son galop le matin à Chantilly sur l'hipporome, en préparatoire du Marcel Boussac, là, je me rends compte que j'ai jamais touché ça, quoi. C'est la perfection. C'est-à-dire que là, je me dis, moi, je ne vais pas avoir besoin de bosser beaucoup. Il faut juste tout faire pour qu'on le garde le plus brut possible, le plus longtemps possible. Parce que malheureusement, c'est une pouliche qui a un physique assez réduit. Ce n'est pas une grande chose. Elle avait des aplombs assez particuliers. Donc, il ne faut pas courir n'importe où, n'importe quand. Il faut la préserver. Mais quand elle me fait ce galop, je me rends compte que... tout va se passer divinement bien et j'étais du coup impatient d'arriver sur le Marcel Boussac
puisque ce jour-là, voilà, on a vu qu'il y avait quelque chose d'incroyable en elle. Moi, je le savais depuis le matin, mais les gens l'ont vu ce jour-là à l'hippodrome, à Longchamp. Et je pense qu'elle a pu, elle a créé une émotion différente de ce que font la plus grande globalité des chevaux. C'est une craque, quoi. En 2008, tu remportes un deuxième Arc de Triomphe avec Zarkava. Et bim, le 26 août 2009, un communiqué de presse, l'écurie de Son Altesse Aga Khan tombe et annonce mettre un terme à votre collaboration, je cite, « suite à des rapports humains devenus difficiles au sein de l'organisation ». C'est une claque, non? Oui et non. C'est l'année d'après donc, du coup de Zarkava. Donc on savait que ça n'allait pas très très bien au sein de l'équipe depuis quelques temps. Il fallait changer des choses. Maintenant, voilà, ça fait partie de moi aussi. Certaines personnes n'étaient pas contentes de mes comportements. Moi, c'est pareil, il y avait plusieurs choses qui me dérangeaient un petit peu au sein de l'écurie et de l'équipe. À un moment donné, voilà, fallait passer un peu à autre chose pour se rendre compte de ce qu'il y avait de bien ou de moins bien chez soi et chez les autres. J'étais voir si l'herbe était plus verte ailleurs et au fait, elle était moins verte. Donc du coup, voilà, ça m'a permis aussi de comprendre certaines choses. Qu'au final, des fois, c'est bien de gagner beaucoup de courses, de vouloir gagner énormément de courses partout, mais qu'il n'y a pas que ça dans la vie. Il faut aussi profiter de ce qu'on a et de se dire que ne serait-ce que de gagner 3, 4, 5 groupes 1 dans l'année, des fois, c'est suffisant. Ce qu'il faut surtout, c'est se faire plaisir et à ce moment-là, je m'amusais plus trop. J'étais plus du tout dans le même état d'esprit et cette rupture m'a fait au final le plus grand bien. T'empêchera pas dans les 4 années suivantes de briguer 3 cravaches d'or, de gagner dans les rangs des amateurs à Vincennes, de remporter une grande course de haie à Auteuil. Qu'est-ce qui te permet de ne pas lâcher? C'est justement d'être délesté de cette pression, de travailler pour une grosse écurie et d'avoir dans un contrat des choses qu'on ne peut pas se permettre de faire quand on fait un métier déjà à risque. Là au moins j'ai profité de plein de choses, j'ai fait des choses que je ne faisais jamais avant. Dans des sports un peu extrêmes. Pareil, j'ai eu la chance de pouvoir aller monter à Auteuil pour Jean-Paul Gallorini et Bartabas, chose que j'aurais pas pu faire sous contrat. Et au final, je me suis régalé, quoi. Je pense qu'il n'y a pas que moi, les gens autour de moi aussi se sont régalés. Et c'était une autre facette encore à découvrir pour ma part de mon métier. Et les gens ont découvert encore autre chose de moi et je pense que c'était bien. Tu lis beaucoup de biographies ? Et tu racontes que dans beaucoup de témoignages de champions, tu te retrouves en les lisant, quand on les décrit comme des personnes égoïstes avec des moments invivables à certaines étapes d'une carrière. Pour toi, c'est le prix à payer pour réussir au plus haut niveau dans le sport? Pas obligatoirement, parce qu'il y a plein de jockeys avec qui je travaille tous les jours qui n'ont pas du tout le même caractère que moi et qui réussissent très bien. Après, on est tous différents les uns des autres. Tous les champions ne sont pas tous pareils. Mais c'est clair que pour beaucoup, quand même, on retrouve ces traits de caractère. Oui, en effet. Alors, que ce soit Tiger Woods, Michael Jordan, Mohamed Ali, c'est des gens qui sont très, très durs avec eux, mais très, très durs avec leur entourage aussi. Ils sont capables de faire craquer beaucoup de gens au sein de leur équipe. C'est malheureux, c'est comme ça. Est-ce qu'il y a besoin absolument de faire ça pour réussir? J'en sais rien. Mais en tout cas, pour peut-être garder ce caractère de mâle alpha, d'avoir l'impression de dominer les autres, peut-être qu'il faut passer par là, j'en sais rien. J'ai pas été voir un psy pour en parler, mais je pense que ouais, ça fait partie certainement des choses qui font que je me laisse pas abattre et que j'ai peur de personne. Le fait d'avoir retrouvé ton contrat avec Son Altesse Aga Khan en 2014, c'est un signe de reconnaissance pour toi? Oui, tout à fait, c'est un signe de reconnaissance. C'est une fierté aussi de se dire qu'on a travaillé dur pendant quelques années avec Pierre Alain pour remontrer aux gens qu'on était capable de revenir au haut niveau. Pierre-Alain Chéreau, mon agent de l'époque. Et lui aussi, il m'a dit, écoute, de toute façon, c'est des périodes un peu difficiles, mais on sait qui t'es, on sait que t'es le meilleur. Maintenant, il va falloir retravailler sur ta personnalité, sur ton image, et que tu montres aux gens que t'es capable de faire mieux que ce que tu faisais et retrouver ta place. Et au final, on l'a eu. Au cours des années 2010-2020, tu continues d'atteindre les sommets, 10 cravaches d'or, plus de 100 groupes 1, le record de victoires en une année en France,
Tu es devenu le jockey ayant gagné le plus de courses en France également. Tu as fait tomber le record d'Yves Saint-Martin, le légendaire Yves Saint-Martin. Te reste-t-il encore des rêves à réaliser ? Oui, je pense qu'il y a toujours des rêves, il y a toujours des caps à franchir. Lesquels ? Dans quelques années, il y aura la 4000e. Donc ça, ce sera important parce que c'est vrai qu'en Europe, on n'a pas l'habitude de voir beaucoup de jockeys gagner énormément de courses à plus de 3000. Ce ne sera pas le record en Europe, c'est sûr. Mais on voit voilà, en Amérique latine, aux États-Unis, des jockeys qui gagnent 9000, 10000, 12000 courses. En Europe, ce n'est pas le cas. Mais voilà, je sais que tous les ans, je suis capable de gagner entre 100 et 160 courses en faisant un rythme normal. Voilà, donc on va y arriver gentiment. Moi, ce qui me fait toujours rêver, bien sûr, c'est des derbies que je n'ai pas gagnés. Celui d'Epsom, par exemple, celui de Kentucky. Alors, ça paraît quasiment impossible à faire, celui de Kentucky, puisqu'il faut monter normalement des chevaux américains. Mais voilà, avec Saïd Bin Soror, on a tenté le coup, avec Mike de Kock aussi. Pour moi, c'était des expériences incroyables, même si ça n'a pas toujours bien fini. Et bien sûr, avec Thunder Snow. Mais pour moi, c'est des expériences importantes parce que ça me permet de comprendre pourquoi certains y arrivent, d'autres pas. Mais voilà, j'ai toujours ça en tête en me disant qu'avec un petit peu de chance, un jour, on ne sait pas pourquoi, ça pourrait arriver. Le derby d'Epsom, oui, s'il faut le gagner, c'est en montant normalement pour un entraîneur anglais ou irlandais. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué avec le Covid de voyager, donc ce ne sera pas pour... cette année, l'année prochaine peut-être, mais pourquoi pas plus tard. Mais non, moi les arcs de triomphe, c'est pareil. J'en ai que deux, mais je suis capable d'en regagner encore deux ou trois, pourquoi pas. Il faut le cheval au final, c'est ça le plus important. Si je tombe sur un crack qui peut, à l'inverse d'Alakani Zarkava, rester jusqu'à l'âge de 4-5 ans, on peut espérer gagner deux arcs en plus avec un cheval. Donc je suis passé très près avec Orfèvre, avec Cherry Mix aussi. J'étais plusieurs fois second. Voilà, ça reste des belles courses, des belles victoires, pardon, des belles secondes places. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la victoire. D'où ce lapsus, d'ailleurs. Voilà. Parmi tes plus de 100 groupes 1, 40% à l'international. Ton statut de jockey international était important à tes yeux. Il fallait briller aussi, prouver qui était Christophe Soumillon c'est en dehors de la France. Comme aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, si je suis 7e, 8e jockey de France, quand les entraîneurs anglais viennent, ils ne viennent pas me chercher moi, hein. Ils vont chercher les gars du top 3 disponibles. Si eux ne sont pas disponibles, ils vont chercher le 4e, 5e, 6e. Et c'est une situation pas très agréable parce que moi je sais que je suis capable de faire aussi bien qu'avant. Et malheureusement, quand on n'est pas dans le top 3 et qu'on n'est pas au sommet avec les autres, on voit vite fait qu'on peut passer à côté de choses importantes. La rage de vaincre et l'esprit de compétition ne t'ont jamais quitté ? Peut-on se lier d'amitié quand on est en concurrence directe ? Oui, on peut se lier d'amitié. Après, c'est comme tout, il faut que ce soit fait dans le respect, le fair play. Je pense qu'on a des exemples tous les jours dans le tennis, dans la Formule 1, en MotoGP. On a beau de temps en temps dans une compétition se donner du fil à retordre les uns envers les autres. Mais au final, ce qui est important, c'est que même si un jour il y a une petite friction qui se pose, en discuter rapidement, remettre les choses à plat. Mais malheureusement, oui, avec le nombre de courses qu'on monte dans l'année, il y a quand même des gens super sympas et des amis aussi dans le vestiaire. On ne peut pas constamment faire en sorte à ce que tout se passe bien pour tout le monde. Et, malheureusement, une fois, on va battre un ami en le gardant dans la boîte, dans une course. Ça fait partie du métier. Il faut savoir l'accepter. Tu as fêté tes 40 ans au mois de juin dernier. Tu redoutais ? De passer ce cap, d'atteindre ce cap ? Pas du tout. Alors moi, l'âge, ça ne me fait absolument pas peur. Moi, ces phases-là, j'y apporte aucune importance. Mais voilà, après, j'ai 40 ans. Je me dis que je suis arrivé quasiment à la moitié de ma vie. Parce que je pense qu'à partir de 80, ça ne doit plus être si jojo que ça. Et je sais que j'aurais, mon ADN ne me trompe pas, vu ce que m'ont montré mes grands-parents et mon père. J'ai encore une bonne vingtaine d'années à vivre avec la pêche, parce que c'est des gens qui ont une énergie, ou qui ont eu pour certains, une énergie assez incroyable jusqu'à cet âge-là. Et même mon papa aujourd'hui est encore hyperactif, même s'il n'a pas la même fougue qu'il y a 15-20 ans. Voilà, on est des gens très près du sang, très nerveux et voilà, qui ont la bougeotte.
40 ans, pour un sportif de haut niveau, ça commence aussi à faire. Tu t'es fixé une limite d'âge ? Alors, je ne me considère pas vraiment comme un sportif de haut niveau, parce que je pense que celui qui fait le plus gros travail, c'est le cheval. Nous, on est l'accompagnateur. Je pense que si on est même à 70-80% de nos moyens, de nos 30 ans, je pense qu'on arrive encore à faire de très belles choses. J'ai eu comme exemple Thierry Jarnet, qui avec Trèves a fait des choses encore formidables. Même s'il n'avait pas eu le physique de ses 30 ans, je pense qu'il était encore largement au niveau, il pourrait encore monter aujourd'hui. On le voit très bien avec Gérald Mossé aujourd'hui qui gagne encore des grandes courses, Olivier Pellier, Francky Dettori qui sont encore là. Voilà, je pense qu'un jockey, tant qu'il a la passion et que le physique tient, c'est ce que je disais tout à l'heure, les bobos, hein, les pépins, si on a des gros accidents et que ça compromet la carrière, c'est différent. Là aujourd'hui, je sens que tout va très très bien et je pense que j'ai encore une belle dizaine d'années devant moi, en espérant, comme toujours, avoir les chevaux. C'est eux qui nous font vivre, c'est eux qui nous font avancer, qui nous donnent cette rage de vaincre et ces espérances. Toi, tu ne t'es pas fixé de limite ? Ah non, je ne me fixe pas de limite. Tant qu'il y a un sommet à gravir, je vais essayer. Après, il faut que ce soit fait avec envie, passion et... il ne faut pas que ce soit une obligation et fait dans la contrainte. Pour la première fois au cours de ces 22 dernières années, tu n'es pas dans le top 5. Tu es absent de ce top. Ça t'est supportable au quotidien ? Ah oui, non, l'année dernière, j'aurais pu y finir sans problème. Après, c'est qu'en fin de saison, je voulais partir un petit peu à l'étranger. J'avais des objectifs là-bas. Et puis finalement, avec le Covid, tout a changé. Ce que je peux vous dire, c'est que cette année, l'année Covid était différente. Oui, l'année Covid tout. Était très compliquée. Mais cette année ? Cette année, je vais y être. Pas un souci, on est derrière le wagon de tête, c'est pas un problème. Mais après moi, top 5, ça n'a pas trop d'intérêt. Top 3, ça ne me fait pas rêver. Moi, ce qui m'intéresse, c'est numéro 1. Le reste, ça ne change rien. Qu'on soit 2, 3, 4, 5. Après, je vous dis, il y a juste par rapport aux gens, voilà, quand ils appellent, ils veulent le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3. J'ai aucune inquiétude, je sais de quoi je suis capable. Ça va aller. Redevenir le numéro 1. Voilà, c'est l'objectif. Possible ? Bien sûr que c'est possible. Et ça va arriver plus vite que ce qu'on pense. C'est-à-dire ? Vous verrez. Mais moi, j'ai aucune inquiétude là-dessus. Si je dois te comparer à un autre sportif de grand niveau, j'ai une image qui me vient instantanément. C'est celle de Zlatan Ibrahimovic. Ça te convient ? Oui, ça peut me convenir. C'est vrai qu'il a un caractère assez particulier. Il ne se laisse pas trop marcher sur les pieds. Puis pareil, il a eu des défis un petit peu partout. Parfois, on pensait sur la fin et il a été capable de remontrer les crocs. Voilà, le seul truc, c'est que lui, j'aurais bien aimé, parce que je le suis aussi pas mal, j'aurais bien aimé qu'il gagne l'Euro avec la Suède ou même qu'il aille plus loin en Coupe du Monde. C'est vrai qu'au niveau du palmarès, c'est pas celui... Qui a tout gagné, mais en tout cas dans sa rage de vaincre. C'est pas parfait, ça te convient pas que je te compare avec lui. Moi, je suis loin d'être parfait, hein, mais c'est vrai qu'au niveau de mon palmarès, j'ai envie d'accrocher au tableau tout ce qu'il y a de plus difficile à aller chercher. On le disait depuis ces trois dernières années, c'est plus compliqué pour toi, en France, à l'international également d'ailleurs. Oui, ça n'a pas été évident, surtout quand j'ai eu ma rupture avec Pierre Alain. Je pense que je travaille avec un agent excellent, Pierre-Alain Chéreau, qui est un excellent agent avec qui on a surmonté des sommets qui paraissaient infranchissables. On a eu les records, des cravages d'or. Malheureusement, ça ne s'est pas fini de la meilleure des manières. Du coup, ils ont fait leur taf. Lui, il a réussi à amener Maxime au sommet. Maxime Guyon, oui. Et du coup, derrière, avec Steve, ça a été un peu compliqué parce que... C'est Steve Aubry. Steve Aubry, pardon, c'est vrai que je parle comme si tout le monde connaissait tout le monde, mais c'était avec Steve donc Aubry qui a repris derrière le boulot et qui n'était pas facile. Donc on a essayé de trouver des solutions pendant des mois et je voyais que ça allait pas, quoi. Donc à un moment donné, il a fallu prendre le taureau par les cornes et changer. C'est triste parce que Steve, c'est un copain et on s'entendait très très bien, mais malheureusement, moi j'ai une carrière à gérer. Je sens que je suis capable de faire de très belles choses encore, voire des grandes choses, mais que malheureusement, en continuant comme ça, on n'allait pas y arriver. Donc
Je suis tombé sur Giovanni qui s'est proposé. Giovanni Laplace qui s'est proposé de venir me voir et qu'on discute un petit peu de ce qu'il y avait moyen de faire et d'améliorer. Et j'ai adoré déjà la façon dont il coach James Revlet, son jockey. Et de voir voilà, qu'il lâche rien, qu'il est constamment à l'attaque. C'est un pitbull, le gars, quoi. Et je pense que le métier d'agent, surtout ici en France, c'est, les gars, c'est des requins. C'est la vérité. Il faut aller chercher les mondes tous les jours. Il faut avoir une envie énorme. Et en plus de ça, moi, il faut me coacher un peu. Et il faut m'affronter, me dire les choses comme elles sont. Avec la force de caractère qu'on te connaît, on a du mal à imaginer que tu aies besoin d'un coach. Alors, j'ai pas besoin de coach parce que justement, plusieurs personnes ont voulu m'en proposer plus jeune et même encore il y a quelques années. C'est pas coacher du tout, c'est que de temps en temps, quand il y a des choses qui vont pas, qu'il y a besoin de régler des petits détails, il faut me le dire franchement, honnêtement. Et oui, de temps en temps, on a besoin de recevoir une petite tape sur la main pour repartir. Et je pense que Giovanni, c'est celui qui ressemble le plus en tout cas à Pierre-Alain Chéreau dans son attitude, sa façon de voir les choses. Quand on a commencé à travailler avec Pierre-Alain, j'étais à peu près dans la même phase, la même situation qu'aujourd'hui. Et ça n'a pas empêché que derrière, on a fait des choses formidables. Donc déjà, je lui en remercie à Pierre-Alain. Et aujourd'hui, Giovanni, voilà, il a un gros défi devant lui, mais le gars, il a peur de rien. Et il est comme moi, quoi. Il va aller de l'avant, il ne va pas regarder ce qui se passe derrière. Le passé, c'est le passé. Maintenant, ce qui nous importe, c'est ce qu'on va créer et faire durant les prochaines années. Au cours de cet entretien, j'ai vraiment le sentiment que revient régulièrement et souvent dans tes propos, il faut se battre, il faut y arriver, il faut se donner. Tu es un gagneur et en même temps, on a l'impression que c'est dur, il faut toujours être en compétition. C'est sûr que c'est dur, mais c'est la vie. Hein. Regardez aujourd'hui avec ce qui se passe avec le Covid, si les gens ne se battent pas, ne se donnent pas, ne vont pas s'arracher, il n'y a pas que des moments agréables. Après, justement, quand ça arrive, les moments agréables et quand on est au sommet, après, il faut savoir savourer, profiter, parce qu'on a toujours l'impression que demain, on peut faire mieux. Et on se rend compte, voilà, aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, que les années 2003, 2005, 2007 étaient magnifiques. Après, il y a eu des années en 2014, 2015, 2016. Là, les deux, trois dernières années, elles étaient peut-être un petit peu moins bonnes, mais elles sont bonnes quand même. Elles sont bonnes à prendre, c'est de l'expérience. Mais demain, je ferai mieux, ça, je le sais. Que ce soit en cuisine, que ce soit en alpinisme, en sport, dans mon métier, voilà, on essaiera toujours de faire mieux. On apprend avec l'expérience. De toute façon, c'est toujours les anciens qui nous donnent les meilleurs conseils. Je pense que la météo, je la sentirai encore mieux dans 10 ans. Merci Christophe d'avoir participé à notre grand entretien. C'était un vrai plaisir de nous avoir avec nous. Merci beaucoup, c'était très agréable. On a eu pas mal de choses sympas autour de nous. Et voilà, on n'a pas eu la pluie, on a eu des beaux nuages, un climat voilà, agréable et franchement merci à vous de m'avoir accueilli et à une prochaine. À très vite. Merci. Merci.